football pour moi, c'est ma vie. Parce que dès mon bas âge, je connais que le football. Et je voulais devenir footballeur. Et je pense que je n'ai pas regretté de mes sacrifices. Là où moi je suis né, pour devenir footballeur, il faut tout. Il faut tout sacrifier. Ce qui est exceptionnel, c'est moi, je ne sais pas honnêtement. Je suis animé, je ne suis pas parfait, mais bon. Sadio Mane, and another fantastic Liverpool goal. Das Gesamtpaket macht Sadio so speziell. Er ist ausdauernd, er ist schnell, er ist technisch gut, er ist beidfüßig. Sadio gets on the end of this, squares it for Mane, 3-1! He's a professional. He knows what he wants to do and he pushes himself hard to get what he wants. Sadio Mane! Aujourd'hui, il fait partie de ce caste de grands joueurs africains. Sentiment de fierté, ouais, de fierté de voir ce garçon de Bambali. Sadio hat riesige Sachen auf sich genommen, um heute hier zu sein. Das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes. Dans la vie, il faut rêver. Mon rêve, c'est d'écrire l'histoire et de gagner tous les trophées. C'est mon rêve de gamin, bien sûr. Village du Sénégal qui s'appelle Bambali. En fait, au village, quand j'étais très très jeune, ce terrain, c'est là-bas que tout a commencé. C'est là-bas que j'ai pratiqué le football. Parce que on n'avait que ce terrain. On avait vraiment eu du mal à avoir des ballons. Des fois, on essayait de cuire des pamplemousses et on essayait de jouer avec. C'était pas évident. C'était pas évident parce que la vie était dure. Je pense qu'au village, quand tu vis au village, sûrement tu vas être. Pas d'autre boulot à faire. J'essayais de regarder aussi l'équipe du village, qui était à cette époque très 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 bonne en fait. Et j'avais vraiment eu des excellents footballeurs et qui m'ont vraiment inspiré quand j'étais si jeune à cette époque. Mon oncle avait une équipe de foot aussi qui s'appelait Kansala. C'est des équipes de quartier, mais l'équipe n'était pas bonne. Donc moi, j'étais fan de cette équipe. Du coup, je regardais cette équipe qui s'entraînait 10 mètres de la maison familiale. Je me rappelle bien à cette époque, mon oncle qui n'aimait pas me voir jouer, ou surtout passer mon temps, parce que pour lui, c'est les études. Des fois, c'est chaud pour moi, parce qu'il n'aimait pas me voir aller là-bas. Sadio a dindi ma, nsafu dindi uno muya alone, kabira dindi, keolo muya alone, hamobala.
Amobala, Safono, Abe Ekoloto, mais à l'ambition de football. Nintel Bita Ulokono Nin Sajo, Aga Berol, Poto la Ninja Sido Gandro, Aga Jules Fojan in Bafuta. Asi Berota Talone, Aya Laftal Balanga Kenyamin, Alafaka Kenyama, Kaberoko Nyam. Et maintenant, les gens, ils pensaient que c'est pas normal. Si je disais à ma mère, je veux devenir footballeur, elle me prenait comme un fou. Pour elle, c'est un rêve de gamin. Dans le village, en ce moment, il n'y avait pas beaucoup de télévision parce que là où il n'y avait pas d'électricité, c'est un peu compliqué d'amener des télévisions. Et puis l'image aussi, c'est en noir blanc. Cette époque, c'est la meilleure épopée du football sénégalaise. On avait une très belle équipe. Alucissé, Fadiga et la Juve. Une équipe qui est allée jusqu'en quart de finale d'une Coupe du Monde et une analyse de la Coupe d'Afrique des Nations. En ce moment, Sadio aimait bien Ronaldinho, mais comme El Hadji aussi, qui nous a vraiment donné plus envie aussi de jouer au football. Il me disait qu'un jour viendra, je serai à le niveau. Un jour, je suis sous le jour, souba 7h du matin, je suis allé à Wulokono. Je suis allé à Wulokono. Je suis allé à Wulokono. J'étais convaincu à 100% qu'une fois quitté le village, je pouvais devenir footballeur. Ma seule question qui revenait dans ma tête, c'est comment? C'est ce qui a dominé mon rêve vraiment. Mon rêve, c'est de jouer dans les meilleurs clubs européens. Et quand j'avais eu la chance de partir à Liverpool, j'ai pas hésité. Pensez à tous ces jours qui avaient porté son maillot, c'est juste un honneur pour moi. It's been an unprecedented season for Liverpool so far, and under Jurgen Klopp, the team has gone from strength to strength. In the Premier League, they sit second in the table with a hugely impressive 94 points. That sets a new club record. While in the Champions League, they battled their way through to the semi-finals. And with two games remaining in the season, and possibly a third in the final, it's all still to play for. Top. Super. Deux pages. Deux pages, vite fait. Beaucoup bien de fait. Travail.
aussi pour Bakary l'a bien fait. Ça prend du temps, ça a pris du temps. J'ai rencontré Bjorn, mon agent, ma deuxième année à Salzbourg. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très honnête. Tu veux omelette ou comme la dernière fois? Scrambled. Scrambled, c'est better. Ok. Comme ça? Je ne peux pas finir tout ça. Bjorn, c'est aussi quelqu'un d'humain. Il a des cas. Parce que dans le football, il n'y a pas ça. C'est la meilleure décision dans ma carrière footballistique que j'ai pu prendre ce jour-là. On va gagner ça, là. J'ai rêvé ça. Ah ouais? Je veux tout le temps être physiquement au top pour bien courir le match. Pendant le match. Physiquement, toi, tu es toujours top. Toujours. Cette saison. Oh.